La digitalisation accélérée du monde a un impact majeur sur les dispositifs de formation. Lors de la conférence, on a identifié trois axes directeurs. Le premier, c'est la délinéarisation des dispositifs de formation, donc des dispositifs désormais en mode digital qui sont beaucoup plus sur une technique des petits pas, que ce soit en synchrone, en asynchrone, en individuel, en collectif. Deuxième axe majeur, l'individualisation. On le sait, en environnement digital, on a moins de liens qui se créent entre les participants. Il y a donc un enjeu à recréer ce lien au niveau de l'individu, dans sa relation avec le formateur, mais aussi en multipliant les techniques pédagogiques basées sur des petits groupes qui permettent de recréer ce lien à plus petite échelle. Le troisième axe directeur, c'est la mise en pratique. On va bénéficier des dispositifs qui sont plus séquencés, plus cadencés, pour inciter les participants à mettre en pratique, à l'issue de chacune des séquences ou à chacun des moments de formation, de manière à repartager leur retour d'expérience au sein du collectif lors de l'étape d'après, et donc transformer les compétences en performance et ancrer cette performance dans le temps.